Alors, l'Hexagone est la plus vieille maison de poésie dans la francophonie, puisqu'à l'origine, les éditeurs, dont Gaston Miron, ne publiaient que de la poésie. Et on sait que le travail poétique est un travail de résistance, c'est-à-dire que c'est le contraire du roman. Ce sont les mots qui génèrent la poésie et non pas le sens qui génère la poésie. L'Hexagone a publié certainement des milliers de titres. Après un passage de la poésie à la littérature générale, depuis quelques années, on est revenu à la poésie. Et il y a deux collections. Il y a la collection Écriture, qui est un travail plus textuel, un travail plus sur la langue, et la collection L'appel des mots, qui est une collection de poésie en vers. Les deux collections se complètent et on ne pourrait pas penser l'une sans l'autre. Et il y a une troisième possibilité qui est une collection qui n'est pas vraiment une collection puisque ça s'appelle hors collection. Et c'est des textes, soit des essais ou des textes qui parlent de ou autour de la poésie.